Nos besoins ont épuisé les ressources de notre planète. Nous nous sommes donc aventurés au-delà de notre atmosphère. Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement sans aucun lien avec notre monde d'origine. Nouvelles règles, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la Terre dans le sang et la violence. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte nous bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la Terre. Aujourd'hui, le CEDEF est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Warlord, ici Scar 1, en attente pour intervention. Bien reçu, 3-1. Le front de défense des colonies attaque l'un de nos centres d'armement. On pense que cela fait partie d'une opération, nom de code RIA. D'après nos renseignements, le front a pour cible une arme prototype. Votre équipe devra la mettre à l'abri et saboter le site avant que l'ennemi ne tombe dessus. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Présence habillée. Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. Vérification de l'équipement. Système RMO activé. Et les règles d'engagement. Feu à volonté. Ok pour moi. 10 secondes. Porte. Feu vert, Scar 1, feu vert. Porte à mon lien. On y va! Allez, allez! Faites gaffe! La température est de moins 150 degrés, faut pas traîner. Reaper, les Scars sont sur place. Reçu 1-1. Insertion verticale, au nord de votre position. Reçu, en route. Deux cibles repérées, en dessous. On descend et on les élimine. Sipes, passe devant. 1-1 à Reaper, troupe du 7-Def dans la zone. Contact avec l'ennemi. Reçu, je transmets. Terminé. Faut qu'on mette la main sur l'arme avant eux. C'est bon. Point d'entrée droit devant à 30 mètres. On continue. Reaper, on approche du point d'entrée. Attention, forte présence du front dans le secteur. L'imagerie thermique n'est pas fiable en profondeur, soyez vigilants. Sentinelle en hauteur, niveau 2. Paul, prends-en une, on charge des autres. On y va! On a besoin de renfort! En avant! Attention aux troupes. On sort les chercheuses. Les ennemis dans le coin. Rien à droite.
On se disperse. Notre arme est dans la chambre forte de l'arsenal, à 500 mètres d'ici. Distance de combat rapprochée. Changez de viseur. Vous croyez qu'ils ont entendu la détonation? Faut mieux dire que oui. Alors on leur réserve un accueil innocent. Sécurité de l'UNESCO reconnue. Bienvenue dans la division de recherche et développement d'Europe. Lancez une antigrave. Bien sûr. Y'a quelqu'un? C'était quoi ça? Ils ont leur compte. Renfort sur ma position. Surveillez vos secteurs. Reaper, on est dans le secteur de recherche. On se dirige vers l'arsenal. Reçu. Attention, le 7-Def est pratiquement à l'intérieur. L'opération RIA ne doit pas réussir. Quand l'arme sera en notre possession, je pourrai activer la séquence d'autodestruction. Reçu. La bonne recherche en vue. On s'arrête pas! Restez concentrés, on n'est pas tirés d'affaire! Allumez-les! Cible abattue! 1-1, on a dépassé le temps imparti, on a presque plus de carburant. Quelle est la situation? On arrive à la cible, extraction dans 6 minutes. Terminé. Le terminal est de l'autre côté. Juste à temps. Sipes, donne un coup de dent. Zone dégagée. Jackpot, voilà ce qu'on se porte. Reaper, on est dans l'arsenal. On s'apprête à récupérer l'arme. Reçu 1-1. L'arme est dans la chambre forte. Démarre le Sipes. On va en avoir besoin. Tiens, vol, modèle compact, même système. C'est ça, la cible de l'opération RIA. Reaper, on a l'arme. Confirmez l'exécution de l'ordre d'autodestruction. Compris. Démarrage de la séquence d'autodestruction. Confirmé. Va falloir évacuer. Connectez la console pour initialiser l'opération. Reçu. On est en route. Rendez-vous dans 5 minutes. Pas de temps à perdre, on fonce. Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Évacuez immédiatement. Feu à volonté. Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Thank you.
On a besoin d'air. Ils ont besoin de soins. Vous vous inquiétez pour vos hommes. La caméra ne transmet plus. Ça fait 18 heures, aucun contact, aucune demande du SEDEF. C'est pas dans leur